Salam alaikum. J'aimerais réagir par rapport à l'exclusion de la Russie à la Coupe du Monde de football. Le problème, c'est les conséquences. Ça veut dire que Vladimir Poutine, il voudra certainement jouer une autre compétition. Et là, on m'a murmuré à l'oreille qu'il envisagerait de jouer à la Coupe d'Afrique des Nations. Si Vladimir Poutine il veut jouer la Coupe d'Afrique, il va jouer la Coupe d'Afrique. On est qui pour lui dire non, pour s'opposer? Non, mais déjà, il va arriver. Le Sénégal va lui offrir sa Coupe d'Afrique comme cadeau de bienvenue. Comme ça, de facto, la Russie, elle est championne d'Afrique en titre. La Côte d'Ivoire, elle va dire, non, vous organisez la CAN. Voilà, comme ça, ils ne vont pas se déplacer en Afrique pour jouer la CAN. Non, ce n'est pas respectueux. On va faire ça en Russie, tranquille. Voilà. Et puis par respect pour Vladimir Poutine, ils vont pas jouer toute la compétition. Non, ils sont directement qualifiés en finale. Et puis le meilleur des autres va se retrouver en finale contre la Russie. Bon, certainement l'Algérie, tu vois. Voilà. Et très respectueusement, encore une fois, c'est Vladimir Poutine qui va choisir le score du match. Voilà.